Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Si le pays a demandé Guy Philippe, si le pays a demandé, quel que soit mon pays a bay légitimité, les États-Unis, la France, le Canada, tenu pour embarquer dans la décision que le peuple haïtien prend. Mais ce n'est pas le peuple caribéen, ce n'est pas la communauté caribéenne, ce n'est pas les États-Unis ni la France qui l'a pour prendre la décision dans la place du peuple haïtien et puis pour le peuple haïtien, mais nous choisir pour nous. Les États-Unis ne vont choisir pour nous. En aucun cas, le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti n'a pas dit Donald Trump, pas qu'à président des États-Unis, après arrêt la Cour suprême de prendre. Eh bien, États-Unis tout, pas qu'à permettre pour la dire nous, mais qui est le monde qui doit diriger nous. Non, c'est nous qui connaissons qui est le monde qui va pour nous, et dans ce sens, nous mobiliser, nous mettons tout le pays à mobiliser pour nous permettre que la communauté internationale là vale le projet génocide que nous avons gagné sous le pays d'Haïti. Nous disons clairement, une instance qui a intérêt dans une crise, pas besoin de volonté pour résoudre. Et si je dis à la crise de la caille noire, sorti dans l'école primaire, il fait primaire, il fait secondaire, il est dans l'université, je suis venu dans le doctorat, le professeur qui prépare l'élève là, c'est les États-Unis, la France, le Canada, qui mènent nous côté nous. Parce que trois canèques, je dis à qui a emmené dans tout le pays, et munitions, zamios, sorti directement les États-Unis d'Amérique. Par contre, on boucle tout le cap pour mettre nos bateaux pour traverser les États-Unis, pour service secret, sécurité États-Unis. Pas arrêter avec elle. Alors que nous-mêmes, nous pouvons payer à mes côtés au milieu. Maintenant, nous voulons parler avec les États-Unis. Qui gagne dans tête libre, monsieur, nous connaissons l'ambassadeur qui est chargé d'affaires. Parce qu'il n'y a pas qu'un ambassadeur, il n'y a pas qu'un président, pas qu'un ambassadeur. Chargé d'affaires qu'il a, que nous connaissons pas les créoles très bien, nous connaissons, m'assurer, l'attendre et la comprendre, ça m'a dit maintenant. Ça nous voulons dire, monsieur, et là, tout transmettre le message là, bah Anthony Blinken si coupé clou était là coupé clou t'a dit azouken ken 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 OK n'a dit azouken ken 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 un Haïti c'est un pays qui capable de difficulté mais son pays qui grand monde son pays c'est pas département d'état c'est pas conseil de sécurité l'ONU qui prend résolution déclarer souveraineté Haïti Haïti bataille Haïti goumé avec zam à la main il mettait blanc dehors et puis proclamer grand monde. Je dis qu'en difficulté, nous avons voisins, compatriotes, des pays amis qui sont capables de travailler avec nous pour nous voir comment nous sommes capables de jouer. Mais ce n'est pas ça qui a fait nous pas grand monde. Je dis, M. Blinken, c'est vrai qu'il y a des conseils, il y a des traites, comme toujours. Parce que vous avez guidé, vous avez tué Dessalines, vous avez tué Chalmay Péral, ce n'est pas vous-même directement qui avez tué, c'est les conseils qui ont tué pour nous. Ça veut dire que nous continuons à faire des conseils dans le pays. Monsieur Anthony Blinken, nous avons la CAIU, instance la Cour suprême des États-Unis, qui est la dernière instance. Dernière instance, ça fait que soit prononcé, fait que soit réunion arrêt en faveur de Donald Trump, qui est condamné pour agression sexuelle aux États-Unis, que il est tellement condamné. Yo fait dédommager moun ni te violé a 5 millions de dollars comme réparation. Monsieur Donald Trump condamné dans tribunal civil, lui condamné dans tribunal pénal. Ça veut dire qu'il y a une section pénale et une section civile. Alors la Cour suprême des États-Unis Renou Arel dit, malgré ça, Donald Trump qui est président, qui est candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. Moun nous choisit, nous voulons mettre, les nous dit, nous voulons mettre Guy Philippe. Nous voulons un conseil trois mouns, conseil présidentiel trois mouns, pour venir en tête par les nationales. Ce n'est pas dans la Maison Blanche nous voulons mettre. Parce que j'ai l'impression, réaction des battements d'État, réaction des États-Unis, car ils comme la France et le Canada, c'est comme si nous disions, c'est dans l'Élysée nous voulons installer Guy Philippe. C'est comme si nous disions, c'est Canada nous voulons installer Guy Philippe. C'est comme si nous dit, c'est dans la Maison Blanche, nous allons installer la commission trois mondes. C'est comme si nous dit, crise qui est en Haïti, c'est crise de les États-Unis, et bien les plus intéressés américains que nous-mêmes. Non, monsieur. La question politique, c'est une question de souveraineté.
sur la question d'État. D'ailleurs, c'est nous qui mettons dans sa nuit. C'est où créer la situation là, les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est une grande puissance dans les Caraïbes là. C'est une grande puissance dans l'Amérique là. Ça veut dire ce qui est des bagailles qui fait là, sous pas bleu au fait, sous pas bleu pays à genoux, sous pas bleu jodi à petit nous parle l'école, sous pas bleu gagne avec fini avec nous, eh bien nous pas la côté nous hier. Son choix fait pour mener nous là. Ça veut dire nous-mêmes, nous dénoncer comportement d'ingérence, arrogance que les États-Unis, les parlé de Haïti, ils parlent de un quartier qui est en dedans, soit Miami, soit Chicago, soit Boston. C'est comme si c'est comme ça à parler, mais ils pas parlé de pays qui gourmet, qui a une histoire, qui a souhaité. Il un pays qui fait l'humanité consacrer la liberté, qui fait l'humanité consacrer les droits humains. C'est nous qui inventons les droits humains, oui, Biden. Ça me dénonce. Compatriotes haïtiens qui ont une double nationalité. Je parle avec nous. Nous avons un coup de main. Mathieu vient demander un coup de main. Diaspora haïtien qui a une nationalité américaine, nous solliciter un coup de main face à Biden. Biden tient à ce que nous mettons dans l'enfer ça, dans l'instabilité ça, parce que c'est à travers l'instabilité, les États-Unis, le Canada, la France, la CARICOM, créer et jouer une opportunité. Regardez, quand il y a un problème, il y a une opportunité pour l'autre monde qui a exploité le problème. Ça veut dire que le problème nous est là. Il n'y a pas de problème pour vous, mais c'est une opportunité pour vous. Maintenant, demandez-nous nous-mêmes, Haïtiens, Américains qui l'autre bord. Mais ça pour nous faire pour nous. Avec quatre nationalités américaines, vous pouvez pour voter. Ou foye wè déjà, n'a pas de corriger et wè que vous te fait. Qui est wè te fait, compatriote haïtien qui dans la diaspora? Biden te sénateur États-Unis. Biden faux discours. Biden dit, c'est plus gros souhait, c'est plus belle bagaille pour le ta wè, c'est plus belle nouvelle li ta aimé tende, que yon pays ta kwa Haïti est fondé en balan mè. Et puis Biden sa un candidat pour président nous vote. Et puis je dis, comme il était souhaité, ouais, nous te coulons dans la main, il a utilisé la prison pour disparaître. Nous. C'est le moyen nous gagner pour nous sauver le pays. Avec quatre électorales, nous voter contre Biden pour nous sauver le pays. Parce que si nous ne retirer, c'est vrai, démocrate, républicain, ils ont tout bon politique, ils ont tout à défendre les États-Unis d'Amérique, mais pas oublier, tout mauvais moment, toute mauvaise décision pour contre le pays, c'est démocrate qui prend. Décision pour t'écraser l'armée, pour venir voler toute sa l'armée d'Haïti. Pas mieux. Les États-Unis portent aller matériel pour 1 milliard 400 de dollars à l'armée d'Haïti. Et puis c'est lui qui a parlé de l'armée d'Haïti, existe parler de l'armée d'Haïti, des armes, parler de l'armée d'Haïti, garantie sécurité pays. Et puis insécurité a débarqué de nous. Et puis Kounia, c'est lui-même encore qui soi-disant al Kenya, pral derrière moun pour venir battre nos sécurité. Quelle absurdité ou même diaspora. Ça veut dire non, c'est ça. Mandez-nous, peuple américain qui a nationalité haïtienne, peuple haïtien qui a nationalité américaine, moment arrivé pour nous prendre une décision pour nous permettre que le pays aille en souffle en bas et quitte Biden. Non. Parce que l'équipe Biden, non, projet, yo, avant de finir le mandat, il faut exterminer Haïti, il faut finir avec nous. Et c'est peut-être ça. Ouais, malgré la revendiquer, nous connaissons qui est en sécurité, nous connaissons qui est capable de mettre dans le pays, et bien Biden ne parle pas. Il utilise CARICOM, il utilise tout type de filles, tout moyen pour empêcher que nous aboutissions à la stabilité, à la paix dans le pays. Pour nous dénoncer comportement, action, décision CARICOM pour Itimatom, pour faire que nous avons concerné Haïti, vous avez 7 nombres pour publier, nous-mêmes nous disons contre le projet ça, et faut que nous gourmions contre ça. Et c'est peut-être ça. Nous invitons toute organisation qui est signée à ça, toute organisation qui compte ingérence la communauté internationale, la CARICOM, à faire un pays. Nous venons inviter une manifestation pacifique qui est organisée. Vendredi, nous avons rassemblé en Carrefour 32, Delma 32, pour la télévision nationale, pour nous aller marcher, pour nous dénoncer l'ingérence et l'implication CARICOM, les États-Unis, la France,
qui mettait tout pouvoir, yo, tout moyen de yo, pour empêcher nous sortir dans la crise éternelle que nous là. C'est le peuple haïtien qui a mis l'ordre et nous demandons, nous, peuple haïtien, nous tous ensemble, rejoindre la mobilisation ça pour nous dire oui, nous pour la coopération internationale, oui, nous pour la partenariat international, mais nous contre l'ingérence à l'occupation, nous contre planification, génocide que la communauté internationale a planifié pour le pays. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.